Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui un 2 en 1. Vous n'êtes pas sans savoir que je viens juste de réagir au tout dernier album de Tiff, qui se nomme 1.6. Alors, Tiff est un Algérien. Oui, oui. Et un excellent rappeur. Waouh, j'étais impressionné par son album. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Et apparemment, il a clippé une des chansons de cet album qui se nomme Hinata. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas y réagir aujourd'hui. Alors, ça ne sera pas la seule réaction de cette vidéo. Nous allons également réagir au tout dernier clip et son de NF qui se nomme Motto. M-O-T-T-O. Voilà. Mais avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me suivre sur Instagram à MusicGameNews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens, bien évidemment. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci pour votre soutien incroyable qui me permet de payer mes taxes. En vrai, c'est le mois de mars. Je travaille pour moi-même, je dois faire mes propres taxes et voilà quoi. Donc, je dois de l'argent au gouvernement, tu vois. Donc, c'est vous qui m'aidez à payer tout ça. Donc, merci énormément. Merci pour ce café mensuel. Et pour justement vous remercier, je vous ai concocté une réaction de l'album de Tiff et l'EP de Mademoiselle Lou, qui est l'une des 11 rappeuses à suivre de l'année 2023, malgré le fait que pour moi, c'est pas réellement une rappeuse. On peut l'appeler rappeuse si on veut, mais pour moi, c'est une chantonneuse. Hein. Et aussi pour les remercier, les valider. Normalement, demain, je réagis à la toute dernière vidéo de Squeezie de qui est l'imposteur en featuring avec SCH et So Manesse. Yes, sir. Et donc, les gens sur YouTube auront accès aux petits teasers. Bon, il est temps d'y aller. On va débuter avec Tiff et on finira avec NF. Let's go. Hey, mais attends, c'est l'acteur là! Oui! Yo! J'aime trop cet acteur, je l'ai vu dans une série française sur Netflix. En fait, son rôle dans la série, c'était un comédien, sur scène et tout. Ouais, j'avais vraiment apprécié la série et l'acteur principal, donc ce gars, je sais pas comment il s'appelle, mais ouais! Yo, le son est frais. Franchement, l'album est très bon. J'entends ta petite voix qui s'envole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétanas qui s'abonnent, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas Marinata. J'appelle cette fille d'amis à mort. Folle va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétanas qui s'abonnent, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Younes. J'appelle cette Younes. Fille l'ami okay. À mort. Rien ne sait comment c'est à mort. 1h du mat, m'attends dans le sortilège. Raptage des passeports tineurs. La vie c'est sortilège. Cerveau en ébullition, le cœur qui bat. Donc je suppose. Je suppose qu'il doit aussi avoir des origines algériennes, hein, l'acteur là. Ouais.
comme la liqueur, claqueur, l'hiverse. Orchestre à chaque fois que je fume de l'orchidée. Jusqu'au corbillard, je pense qu'à orbiller. Personne pépon le flot tout fait. I still have no fuck. Donc ça c'est Tiff, hein. Inata parle pas chinois, je peux la comprendre sans I don't give two fucks, je crois que c'est tout fait. I still have no fuck to voilà, no fuck to give. Inata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. J'entends ta petite voix qui s'affole, va voir le pain au chien. Khairo! Tellement tu es ton acquis, j'ai dû dire ciao. Khairo, celui qui joue. Celui qui joue le Chabi, voilà, voilà. En plus, je l'ai mentionné hein, dans ma réaction de l'album. Dès que j'ai entendu la guitare, la Chabi, j'ai dit ça, c'est la guitare du Chabi. Oh. C'est un style hein, de musique de chez nous, d'Algérie. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Inata. J'appelle cette fille la Mia, rien ne sait comment c'est un an. Elle m'appelle, elle me dit je me sens si seul. Pourquoi tu m'en postes pas? Je t'ai vu sur Insta avec une poste botte. Je sais que ton sourire sert de cache bizarre. Si je pars me ghoste pas, ou je serai triste à cause de. Avec la chachia et tout. Dans à côté, je dors pas, j'ai la mif en tête, mes potes m'appellent pas. J'aime beaucoup cette chanson là, mais honnêtement, je ne pense pas que ça aurait dû être la fenêtre en fait de l'album. Je ne pense pas que ça aurait dû être la chanson à clipper en premier parce que elle ne fait pas assez grand public. Et t'as besoin en fait que le premier son attire le plus de monde parce que je trouve qu'il a d'autres chansons dans son album qui soient plus accessibles. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Beat. C'est quoi Kickboxing Shadowing ou un truc comme ça là qui est plus accessible à mon avis. Je pense à arrêter 100 000 vis au bout. Je parle d'arrêter la fume avec un spliff au bec. J'ai fait confiance, je regrette amèrement. Maintenant je suis busy à faire love. Je reste pas accroché à mes remords. Mais la chanson elle est énorme. La place, ta mère, love. Personne paye pour le flow tout fait. I still have no fuck to give. Inata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. Personne n'est pas faux tout fake. I still have no fuck to give. Inata parle pas chinois, je peux la comprendre. Et puis on dit pas I still have no fuck to give. Non, normalement c'est I still have no fucks. Normalement il y a un S à la fin, to give. Prendre sans sous-titres. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le pain rouge sur la map. Tellement tu es un an qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Inata. J'appelle cette fille dans Miami, rien ne sait comment c'est à moi. La tour Eiffel, la tour Eiffel, la tour Eiffel, la tour Eiffel. Eh oh. Le clip est sympathique, tu vois, et c'est cool de voir en fait comme personnage principal l'acteur là, mais moi j'aurais préféré voir Tiff quand même, on l'a vu à deux reprises, that's it. C'est un petit peu dommage, tu vois. Mais malgré ça, je crois que la vidéo a eu quand même pas mal de vues. Ouais, on est pratiquement à 2 millions. Mais bon, je trouve qu'elle elle mérite un petit peu plus quand même parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très stylée. Elle est super stylée. Mais c'est pas ma chanson préférée de son album. Voilà. Mais c'est du bon. Voilà, son album, en fait, il m'a agréablement surpris. Parce que de 1, c'est un très bon rappeur. Et de 2, il y a une vraie direction artistique. Et quand je parle de direction artistique, hein, je passe vraiment au niveau des styles musicaux qu'il a mélangés dans une chanson, en fait. Il prend un petit peu de partout, là, il mélange ça. Et bon, il y a pratiquement toujours une influence algérienne dans toutes ses chansons. Et sachant que je suis algérien, moi, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. D'ailleurs, je l'ai un petit peu comparé à Stromae, tu vois. Mais c'est pas les mêmes. C'est juste que Stromae, lui aussi, il arrive à mélanger différents styles musicaux du monde entier, mais dans une seule chanson, tu vois. Et c'est ce que je trouve que Tiff essaye de faire un petit peu aussi. Oula, j'ai enlevé mes écouteurs. Pourquoi j'ai enlevé mes écouteurs alors que là, on est censé réagir à NF. Mais oui, on va réagir à NF. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le son s'appelle Maro, c'est ça, hein? Moto. Bah, allons-y, let's go.
I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice on the way I should write. Oh God, yeah. Woo! Sounds like a nightmare if you ask me. Tu vois, tout est dans le mix ici, là. Tout est dans le mix et la construction du son. Une intro où t'as juste sa voix et le bruit, là, le ploum, ploum, ploum. Et en fait, la transition vers le kick et tout, ils ont juste rajouté, mixé sa voix en stéréo. C'est, ça fait toute la différence. Went from my bedroom to the big leagues. You know how many times that I was told things wouldn't work but work. C'est une vraie batterie. Having cold feet didn't keep me from success but delayed it some. I used to be the guy who killed to get a number one. I had to hear that song's a hit before I thought it was, but nowadays I don't really give a what? Oh God, might catch me at the award show. Eating popcorn in the back row. Catching Z's with my hat low. No nominations but it's cool. Oh, je crois en fait que le gars aux cheveux blonds et la qui était avec une meuf là et tout, et c'est censé représenter Machine Gun Kelly. Je pense, hein, avec sa copine qui est l'actrice super connue là, qui a joué dans Transformers. Je crois, hein. Ah, yeah. Il dénonce là, l'industrie. Yeah. I miss buying CDs at the store and thumbing through the cases trying to make a choice. That'll make no sense to you, well of course. See, one... Je crois que c'est un pizzicato, hein, l'instrument là, le ploum, ploum. C'est un pizzicato. Donc c'est quand tu tires sur les ficelles, sur les cordes en fait, d'un instrument. And inconvenience is another's joy. Wow, wow, how are you unemployed? Telling me to get a life, you should look at yours. Yup, congratulations, you can raise your voice. Hope you break both of your legs falling off your horse. Woo! This is the industry where it ain't how big you are, it's how big you seem. Where people sacrifice the art trying to chase a dream and they wonder why their music's lacking cream. Ouais, 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 là on a des notes basses de piano aussi. But not no more, them days of history. Skip the red carpet, you looking for me. Oh God, mic drop. You might catch me at the award show. Eating popcorn in the back row. Ça me rappelle, moi qui ai grandi avec Eminem, hein, ça me rappelle beaucoup Eminem, que ce soit dans son timbre de voix, sa manière de rapper un petit peu, même si Eminem lui tend vers la rapidité. Il aime bien quand c'est rapide, quoi. Mais aussi en fait le fait qu'il dénonce l'industrie comme ça ouvertement dans ses clips. Eminem, lui, il adorait faire ça, hein. Ouh là 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 là. Catching Z's with my hat low. No nominations but it's cool though. Oh God, you might see me in the same clothes. No nominations but it's cool though. Ok, il dit qu'il n'a pas été nominé, mais c'est cool. Bah, si c'est cool, pourquoi est-ce que t'en fais toute une chanson, tu vois? Got my feet propped up. Leave my shirts untucked. I'm the boss, so what? I do what I want. Yeah, ils ont pitché la voix vers le bas. I'm happy for you, no hey. Still got a smile on my face, chilling in the back like, hey, oh God, yeah, you might catch me at the award show, eating popcorn in the back row. Honnêtement, j'adore le message parce que ça prouve que maintenant tous ces prix, tous ces awards, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois, du moment qu'on réussit dans ce qu'on fait, dans notre carrière. Ça valide en aucun cas le travail des gens, tous ces trucs-là, les Oscars, les Grammys, tout ça, c'est pourri, quoi. D'ailleurs, Drake
Et comment il s'appelle? The Weeknd, eux, ils boycottent, je crois, des trucs comme ça, là, les Grammys et tout, n'est-ce pas? Parce que vraiment, c'est ridicule. J'aime trop ce chat. Oh yeah. Hey, le gars qui descend en dansant. Let's go. Oh. 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 Le gros kiff, sa mère. Je me suis jamais réellement penché sur NF. Il va falloir que je le fasse. Les valider, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, dites-moi si vous êtes intéressé par une réaction de l'un de ses albums. Hein. Comme je vous l'ai dit, je me suis jamais penché sur lui. Je ne sais pas combien d'albums il a. Quel est son meilleur album? Donc, si ça vous intéresse, vous me le suggérez en DM, par message privé sur Patreon. Sur Discord, bien évidemment, parce que clairement, le gars a énormément de talent. Et je sais que si je me penche sur lui, qu'il y a pas mal de chansons de ce type qui vont finir dans mon téléphone, dont celle-ci. My God, c'était un pur plaisir ce 2 ans, hein, que ce soit avec Tiff ou avec NF. Yeah, boy! J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai... découvrir quelque chose de neuf, que je vous aurais fait sourire un petit peu et amuser. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, et ben n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.